Eh bien, bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce nouveau Let's Play. Du coup, Astrobot, il est sorti aujourd'hui et on va tout de suite démarrer avec la nouvelle partie. Ah ok, ça c'est nous. Ok, donc là on sort du sable. Ouais, incroyable. Ok. Stylé. Bienvenue du coup sur Astrobot. Oui. Trop beau. Beaucoup trop stylé. Du coup, bon, on va nous rappeler un petit peu les bases, mais ça va, on a joué à Astro Playroom il y a peut-être 2 jours de ça, donc normalement ça va, les bases, on les connaît à peu près. Je passe, à moins qu'il y ait des nouvelles mécaniques. Ok, donc comme on peut voir, il y a vraiment plusieurs, il y a vraiment pas mal de monde. Du moins pour le moment, il y en a 5, mais je pense à mon avis qu'on en trouvera bien plus. La nébuleuse du gorille. Ok, donc on a 16 pièces à récupérer, 42 du coup mini astro à récupérer et deux petits tourbillons. Très bien. Eh bien, c'est parti. Le jardin céleste, du coup, atterrir. Donc, un épisode va convenir à une planète, un monde. Voilà, on va pas tout faire d'un coup. On a atterri super bas, là. Oh! Trop beau. Beaucoup trop stylé. On peut aller dans... Ok, on peut aller dans les arbres.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va découvrir ça tranquillement, on va prendre le temps. Comme on avait fait sur Astro's Playroom. Voilà. C'est vraiment trop beau. Ouais, grosse pièce. Après, je sais pas du tout à quoi vont servir les pièces. Est-ce que du coup, ça va servir à, comment dire, à acheter du cosmétique ou des trucs comme ça? J'avoue, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça m'a l'air quand même bien stylé. Hein. Franchement, au niveau graphisme et tout, ils ont vraiment tout donné. Depuis le temps qu'on l'attendait, ce petit jeu sur Astro. Ouais. Ok, on peut avancer du coup. Allez! Et un bot sauvé du coup. Donc pour le moment, on n'en a pas raté. On va bien regarder partout quand même. Mais j'ai pas l'impression ici qu'on rate quelque chose. Non. Oh, il y a encore les blobs. Voilà. Allez, deuxième bot sauvé. Pour le moment, tout se passe bien. On va faire un foot. Mais hop. Ah, donc si on marque des buts, ça fait rien. D'accord, ok. Ouais. Ok. Pour le moment, j'ai rien raté, je pense. Petit. Voilà. Il y a un peu moins de trucs cachés, je trouve. Oh, Ratchet! Incroyable, on a sauvé Ratchet. Haha. C'est trop stylé. C'est, ce jeu-là, ils auraient dû le sortir tellement lors de l'été. Ça aurait été fou. Ah, c'est pas des méchants, ça, ok. Par contre, on peut nager et tout, mais c'est vraiment bien. Ça fait quoi? Oh! Un petit monde caché! Oh, on a sauvé du coup la meuf de Ratchet! Stylé! C'est donc ça le multivers! Incroyable! Ok! Mais voilà, comme quoi il y a vraiment aussi par moment des petits mondes cachés comme ça. C'est trop stylé. Franchement, c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué pour le moment en cette année 2024. Oh là là, avec le petit effet de l'eau et tout. Ah non, franchement. Ah, il y en a un là. Faut qu'on le rate pas celui-là. Il y a un truc en l'air.
Ah, attends. Là, je vais devoir artiller l'eau. Ah! Je croyais que j'allais devoir artiller l'oiseau. Ouais, parfait. On l'a eu, 2 sur 3 du coup. Il y a plein de... tellement de nouvelles mécaniques. Oh, on peut devenir énorme. Ah, attends. Ah, c'est trop stylé. Ah, ok, nouvelle mécanique. Trop stylé. Attends, si je fais ça. Non. Ok, c'est vraiment une technique à prendre. Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ok, il y avait bel et bien des pièces à récupérer. Ah, par contre, ouais, ok, on reste pas indéfiniment en l'air. Donc là, on attend un peu, on se regonfle, tac, tac. Parfait. Oh là là, mais c'est génial. Okay, je pense qu'il faut aller en... Je pense qu'il faut aller en haut. Ok, il nous en reste un. Du coup, il nous reste un petit bot à aller chercher. Je pense que si on... On n'a rien raté. Oh là là. Ne serait-ce que ça, là, avec les poissons, c'est vraiment trop beau. Après, est-ce qu'on peut le comparer à un Mario? Ah, c'est dur. On a réussi, on a eu les trois. Parce que vraiment, Astro, c'est vraiment la licence PlayStation. Wouh! Et on a eu le 5. Bravo, on les a tous eu. Bot sauvé, on les a tous. Oh, le premier niveau, ne serait-ce juste le premier niveau, il était incroyable. Allez, du coup on a le choix, soit la jungle, soit le sort BD. On va faire la jungle. Temple aztèque. Ok. Donc le temple aztèque. Alors. Il n'y a pas de truc par là. Par où il faut aller. Ah, il faut juste pousser, d'accord. Ok. Moi, j'étais perdu. Trop stylé. Encore un petit niveau un peu sympa.
Alors attends. Ah ouais, ok. Ouais, ça va, on a rien raté. Mais bon, quand même. Ça reste accessible, hein, vraiment, c'est un jeu qui est... qui est vraiment fait pour les enfants. Allez, premier bot sauvé, il y en a deux de l'écurie PlayStation du coup à trouver encore. Allez, et là pareil. Ah, c'est celui-là qu'il faut pousser. Ok, donc en fait on pousse pas tout le temps les mêmes carrés. Ok. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop stylé. Et le deuxième bot a été trouvé du coup. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais c'était stylé. Là-bas du coup on a trouvé un petit bot koala. C'est stylé. Il est trop classe. Ok, bon, moi il m'en faut vraiment peu. Ok, on se cache un peu. Voilà. Ah ouais, donc si on tape dans les arbres, ça fait tomber des... C'est trop bien. Et là aussi, du coup? Ah non, pas là. Mais ça, c'est trop stylé. Hein. Oh, c'est les caisses de... C'est les caisses de Crash. Incroyable. Le petit Crash Bandicoot. Ah, donc on est dans le monde de Crash. Ok, ça y est, j'ai la ref. D'accord, mais celui aussi loin là, je fais comment pour le viser? Ah, comme ça peut-être? Non, oh, je sais pas. Les caisses de pièces, au pire, c'est pas bien grave. Hein. Ah, c'était sûr. Ah, oh, Crash, incroyable. Ça, c'était stylé. Ah, ok. Et parfait, première pièce de puzzle. Ok, il y a plein de... tellement de nouvelles techniques à apprendre. Ah, c'est des poupées russes. Ok. C'est la meilleure technique. Hein. Ok. Quatrième bot trouvé du coup. Elle est incroyable en plus la musique. La musique est folle. Ouais. Wouhou. C'est trop fort. C'est trop fort. Parfait. Nouveau bot trouvé. Après peut-être qu'ils sont simples à trouver, hein, mais pour le moment, j'ai quand même bien l'impression qu'on y arrive à peu près. Hein. Ok.
Hop, deuxième pièce de puzzle ici. Après, c'est peut-être parce que les niveaux sont simples aussi. Hein. Hop. Voilà, on... là on saccage. Hein. Ok. Ok, ça fait pas grand chose ça. Ah, attends, il y avait un truc qui s'ouvrait là. Ouais! L'avant-dernier bot, il était là. Ok, et du coup, on va donc trouver le dernier. Alors, est-ce que le dernier, du coup, ce sera un autre gentil de l'univers ou est-ce que ça pourrait être un néocortex? Ah, ça, en vrai, ce serait marrant. Putain, j'ai cru qu'il y avait des pièces, là. Attends, quoi? Oh, je sais pas comment je l'ai eu, mais c'était stylé. Waouh. Petit niveau caché encore. Parfait. Et on a du coup tous les bots de sauver encore. Oula. Ah ouais, lui il est vénère. Moi je suis Cédric Doumbé mon grand. Ouais. Incroyable. Trop stylé. Je crois qu'on a tout trouvé. Parfait, en plus on a toutes les pièces. sur 300, c'est vous dire. Hein. Je sais pas ce que c'est ce tourbillon. Moi, ouais, je sais pas. Allez, canyon crémeux. Oh mais c'est beaucoup trop stylé. Du coup ça se peut qu'il y en ait qui soient cachés dans la neige. Ah bah c'est direct un PlayStation. J'ai pas la rêve de qui c'est par contre. Mercenaire légendaire. Ah, j'ai envie de défaire toute la neige. Hop, petite pièce de puzzle ici. Ah ouais, c'est vraiment stylé. Hein. En plus, on va vite. Ah, c'est stylé. Ok, viens par là. Ok. Oui.
Il y en a qui peuvent être cachés dedans? C'est la question que je me pose. Ça fait un peu un petit truc avec de la gaufrette. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment de la gaufrette. Oh. Ah non. Viens là. Ah, j'en ai oublié un. Ah, il faut qu'on reparte. Où est-ce que j'ai bien pu l'oublier? Ah, ça repousse, heureusement. Attends. Où est-ce que j'ai bien pu l'oublier? Ça, c'était le premier, on est d'accord? Ah! Ah ouais, ok, il y a un petit passage là. Ouais! Ok, il était là. Parfait, maintenant on peut continuer. Tac, 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 tac. Hop, viens là. Tac. Ok, parfait. Les petits cars en sac, tac, tac. Ah ok, ça y est, j'ai compris. Oui. Stylé. Oui, par contre, non, calme-toi. Ah. Non, je vais mourir. Oh non. Eh ouais. Et ouais, il y a des petits passages comme ça, là. Oh. Attends, il y en a un qui est bloqué là-haut. Hein. Ça, ce sera à savoir. Ok, il n'y a rien d'autre. Ouais, je l'ai. Parfait. Ok. Mais je sais qu'il y en a un là-bas. Ah, merci. Oh, j'ai réussi à la caler, je sais pas comment. Ok, nouveau personnage. Ouah, j'en ai raté deux. Hein? Mais comment c'est possible? Ah ok, il y en a forcément un par là. Ce bordel. Ouais. Bot sauvé. Ok. Et du coup, on en a oublié un. On en a un qu'on a oublié. Donc, il faut qu'on reparte en arrière.
Je pense que l'autre il doit être par là, hein, c'est sûr. Quoique. Ah là. Stylé. Comme quoi, il faut vraiment bien tout observer. On se barre. Non. Quel enfer. Ah, il y en a une qui glisse. Oui, là t'es pas mal. Merci. Ouais, on tape dans les balles. J'entends le bruit d'un bot. C'est tellement satisfaisant. Bon, là, on n'a rien oublié, hein, clairement. Ouais, on a le dernier. Parfait. Construction d'herbie. Oh, on dirait du Splatoon. Ok. Oh, le retour de ça. Ça, eux, ils m'avaient pas manqué. Hein. Ok, le premier a été sauvé, donc ça c'est bon. Le deuxième aussi. Ça, c'est une nouvelle mécanique.
beaucoup trop stylé. Ah, le petit chien. Ah ok, c'est vraiment pour... Ok, c'est vraiment juste pour casser les vitres. Ok, du coup... On a quelques trucs là-haut. Ah ok, en fait il faut que je fasse genre... Ok. Troisième botte sauvée. Ouais. Ah ok, c'est par là qu'il fallait aller. Ah non, c'était par là. Ok, on attrape tout ça. Trop stylé. À des personnes, hein? Je crois pas. De toute façon, on verra bien. Ok. Pas de trucs cachés, rien. Ok, j'ai pas l'impression. Bah faut. Wouh. Oh. J'ai atterri de l'autre côté. Mais attends, parce que du coup il y avait un truc là-bas. Niveau caché. Oh, attends. Oh, c'est stylé. Oh, c'est vraiment dans la même veine que Splatoon. Ok, et du coup... Ouais, je suppose que... Ouais. Au bout d'un certain temps, c'était sûr que ça disparaissait. Ok, pour le moment, on a raté personne, donc... Je suis pas un peu fier de ce qu'on est en train de faire.
Même la musique est vraiment bien. Youhou. Hop, dégage. Ok, il nous en manque un. Moi, je pense qu'on est près de la fin, là. Hein. Ok, et eh bien voilà, dernier bot sauvé du coup. Il y a plein de licences auxquelles j'ai pas joué, c'est pour ça. Voilà. Ok, c'était bien ce qui me semblait. Attends. Hop. Parfait. Et du coup, on a... Ok, là, on a juste pas trouvé les tourbillons, mais je sais pas ce que c'est les tourbillons. Briser le verrou. Là, on a quoi ici? Oh, on peut juste jouer avec les étoiles. Ok, et du coup, je pense que ça... là, c'était pareil, il y avait des planètes. C'est beaucoup trop stylé, par contre. Allez, briser le verrou. Ouais. Oh. Je sais pas pourquoi ça me demandait un retour là. Ok, ça me demande d'atterrir, je sais pas pourquoi. Oh, mais c'est stylé. Sur 300. Vous avez secouru votre premier bot. Il en reste encore beaucoup perdu dans l'univers. Partez donc à leur recherche. Ok.
coup, ça c'est la base des bots. Et du coup, on retourne dans l'espace. Pour du coup aller vaincre le dernier truc. Donc du coup, on était dans la nébuleuse du gorille. On y retourne du coup. Là, on avait toutes les pièces. Ok, là on a toutes les pièces aussi. Ok, là on a toutes les pièces. Là on a toutes les pièces. Et là du coup, il nous reste ça. Ok. J'ai rien raté? Non. Ok. Oh, le retour du petit chien. Okay. J'ai rien oublié de l'autre côté, je crois pas. Attends, là il y a quoi? Là il y a l'air de rien y avoir. On dirait très, ça fait très Detroit Become Human. Ceux qui ont la ref. En même temps, quel jeu incroyable. Mais c'est vrai que l'ambiance, ça me fait beaucoup penser à ça quand même. Je ne vois absolument rien pour le moment. Par contre, c'est trop bien fait. Hein. J'ai 3 points de vie. Ok, dans l'œil. Ok, on est passé. Ok, on est passé. Ok, hop, tac, tac. Non. Ok, le deuxième œil. On va lui éclater ses chicots. Ok. Ouais,
on a vaincu le premier boss. Et oui, la nébuleuse du gorille, c'est terminé du coup. Mais du coup, on n'a pas le, on n'a pas le personnage. Il est où? Ah, attends. Ils sont là. Oh, trop stylé. Et c'est parti. Ok, et du coup, on va aller là. Voilà, là, il y en a plein. Macaque maniaque. Ok, il n'y a rien de caché là. Tac, tac, tac. Par contre, les musiques, elles sont folles. Oh, c'est stylé. Singe nerveux. Ah ok, c'était lui le premier bot. Trop stylé. Ok. Ok, ça c'était le troisième, donc je pense que le deuxième en fait c'est celui qui est en face. C'est lui le deuxième. C'est un niveau un peu space, mais en vrai, il est trop stylé. Ok, on éclate les caisses avec les bananes. Ah la vache! Parfait. Ok. Encore un bot de trouver. Hein? Attends, quoi? Ah ouais, ok. Ah, carré. Ok. On va le sauver. Oh, je crois qu'il en fallait là.
La moitié du coup. Oh, on a qu'une seule pièce de puzzle. De toute façon, le niveau c'est que ça. Hein. Je pense qu'on peut pas. Il y en a certains qu'on va pas pouvoir rater. Hein. Alors lui, on lui est tombé dessus. Il a eu zéro chance. Ok, là ça doit être encore une fleur. Ok. C'est horrible. Ah, ok. Ah là, il fallait être full concentré. Ok. Ok, il y en a un là-haut. Je crois qu'il nous en reste plus beaucoup, hein. Je vérifie, mais là on a fait, là aussi, et ben je pense que le dernier doit être là-haut. Voilà. Du coup, le dernier. Parfait. Pièce de vaisseau retrouvée. Ouais. On embarque tout ça, du coup. Et on peut s'en aller. Vous avez retrouvé la rame du vaisseau mère. Elle est en piteux état, il faut la réparer. Ah ok, c'est nous qui devons gérer ça, c'est trop bien.
Ok, tout se fait avec la manette. De l'autre côté, pareil, du coup, on remet les. C'est sûr. Ok. Ok. Parfait. Parfait. Et voilà. Et du coup, on remet la RAM de la console. Et voilà. RAM qu'on va venir placer juste là. Donc en fait, dans Astro Playroom, en fait, la RAM rose, en fait, c'est un niveau également. En fait, on est déjà à l'intérieur de la console. Et bien là, en fait, dans cet Astrobot, il va falloir bien évidemment la réparer, cette console, retrouver chaque monde et du coup retrouver l'unité centrale.